Hey, coucou les amis, c'est Rayson et bienvenue avec moi pour un tout nouvel épisode sur Super Mario Odyssey. Donc dans ce let's play, il y aura des épisodes simples, mode histoire et des épisodes bonus. On revisite un pays, donc si vous avez des préférences et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettre un maximum de pouces bleus pour plus d'épisodes bonus, comme ça suivant vos préférences et les miennes, je changerai peut-être un petit peu l'ordre des vidéos. Et nous on est parti, à bientôt les amis, ciao ciao. Oh yes, coucou les amis, c'est Rayson et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo sur Super Mario Odyssey. Alors le piaf, il peut venir jusqu'ici, mais est-ce que j'ai envie de l'attendre? À moins qu'il aille super vite, nope. Il y a une ligne dans le ciel qui m'intéresse. Peut-être qu'on peut l'avoir avec le planeur. Remarque, si je vois le piaf au loin là qui arrive, je l'entends, c'est tout. Ça peine d'être le cas. Bah les amis, comme d'habitude, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis nous on est parti, petite vidéo, toujours dans le désert, bonus, sur Super Mario Odyssey. Comme ces pièces. Alors là ce qu'on va faire c'est direction le planeur. Ah non, il n'y a pas de planeur ici. Il y a juste une jolie pitch. Ici il y avait un truc. Il manque un sphinx, un jaxi. What? Oh, ce truc là. Oh. Ah, non. What the? Tu te fous de moi. T'en prends mon lapis. C'était quoi cette lune chelou? Mon jean top. Cache-cache sous les pavés. Ok. Alors comment je ramène un jaxi là-bas? Ça j'avoue. Ah bah. No problème en fait. Je vais l'appeler, il va venir. Appeler le jaxi ici. Oh ouais, je veux mon nœud. Vas-y. Oh nickel, admirez ça. Ne bouge pas d'ici. J'ai toujours un pincement au cœur quand je reviens ici. Ah, il est beau, on dirait un chat et tout avec les papates. Mais rester planté là sans rien faire, c'est plus pour moi. C'est son ancienne position en fait. Ok. Ah, il est prêt à bouger là. C'est parti. Oh yes! Magnifique. Maintenant... Attends, l'oiseau, là. Non, j'ai pas pu le dégommer avec ça. Fouah ! Oh, yes ! Dans ta face ! Ça en prend. Il y a un truc ici ? Attends, si je dégommais ça avant ? On essaye. On fonce. Ça ne marche pas. Ce maudit cube. Vas-y, je vais faire l'épreuve du chapeau là. Est-ce que c'est athlétique? Oh mon dieu, c'est athlétique. On fonce. Oh nickel. Athletic Tag 3. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire qu'il y a un dernier Athletic. Vu qu'on en a fait que deux. Est-ce que c'est ici? Avec cette chaleur, je peux à peine bouger. On attend un jaxi ou quoi? Alors, là, il y aura un truc. Il y a des fourchettes? Des cuistots? Des poissons, et si on faisait griller en papillote? Je pêche encore ou... Ça, d'accord. On a déjà pris. Les notes de musique, normalement, on a fait.
À mon avis, on va faire un test. Essaye de pêcher ce que tu peux. Faudra avoir le gros, si on veut. Ça vibre. Légèrement. Allez! Non. C'est peut-être pas ça. Je peux essayer de choper un petit si vous voulez, mais... Petit, viens. Je sais que tu veux mordre à ce truc. Vas-y, vas-y. Toi et moi, on sait. Ouais! Non, bah, ils s'en foutent, hein. Ok. Alors, il y a une étoile cachée ici. Une lune. Il y a les notes de musique, mais ça, on a déjà fait. Je pourrais essayer vite fait, mais... Quasiment sûr... Enfin, ça, c'est sûr, on en a fait une fois ici. C'était exactement ça. Ouais. Alors, elle est où, cette lune? Ce piaf? C'est toi! Fou! Piaf, donne! Tu sais ce qui est bon pour toi? Ok. Bingo! On l'a eu, je pense. Volatile en vadrouille dans le désert. Mais je crois qu'il y en a encore une. C'était pas ce piaf. C'est quoi alors? Ça on avait fait aussi ici. Bizarrement ça vibre. Je vais ramener le jack si on va voir. Oh! Elle fout quoi cette lune? Ok. Du saut du haut du cocotier. Eh ben. Non. Non, non, non. C'était... Il y avait de l'idée, Ray, mais... Comme la feuille, tu dois voler, Ray. Alors, on a tout. Ça, c'est cool. Il y a un jeu du chapeau. Marche ou pas, jeu du chapeau, je suis tenté. On va aller voir ça, les amis. Je regarde juste un truc. Donc, ok. Alors là, il y a sûrement un indice caché ici. Six. Lune. Trois. C'est une distance... entre un magasin, sûrement dans le monde de Bowser, peut-être, je suis pas sûr. Et un point de Mario. Plus proche du point de Mario. Deux fois plus proche du point de Mario que de celui de la boutique. C'est un super indice, ça. Il y a moins de trouver. Alors les pièges me fait plaisir, évidemment. Et le jeu de chapeau... Faut trouver une musique, c'est ça? Salut! Je parcours le monde en quête de nouveaux sons. Là, je cherche une musique sur un thème bien spécial. Alors, si on met la même musique, il nous donne une, je pense. Le thème, minute, papillon, juin, souvenir d'une tête à claque. Souvenir d'une tête à claque, what? C'est le nom ou c'est... Je sais pas, c'est un peu vite, je sais pas. Donc ça, c'est toutes nos musiques qu'on a pour l'instant, mais il en manque, mais... Souvenir d'une tête à claque. God Challenge Shop.
face à Bowser One. Ça, c'est la tête à claque. Sinon, face à Toc Toc. Mais c'est le piaf, ça. What, c'est ça? C'est la musique que je voulais entendre. Merci. Tiens, je te donne ça. Oh mon dieu. On va arrêter cette musique. Un bon son au pays des sables. What? Tu veux consulter la liste de musique? Tac tac. Coupé, annulé. Ah. Tragolos. Oh ouais. Mais là, ça fait épique, danger et tout. Qu'est-ce qui nous arrive? Je me sens pas safe du tout là. Oh non. Tan tan tan. Ça, c'est quand on affronte un boss gigantesque, les amis. J'ai bien aimé d'ailleurs. On va quitter la musique. Ah, c'est plus calme d'un coup. Alors, l'histoire de chapeau, c'est où? Je crois que c'est en dessous. Voyons voir là. Bienvenue dans notre salle de jeu, chapeau. Tac tac. Ouais, vas-y. 10 pièces, c'est prêt. Ah, je la veux ta lune. Oh mon dieu, faut faire les 3 sur des lunes, c'est ça? Oh! Bingo! Ah, on est bon à ça! Vous gagnez une lune. C'est un peu casino. Faut aligner 3 lunes. Non. T'as plus de lune? Non, ma chérie. On attendra un peu. Vas-y, quoi, la fourche? C'est du tout cuit, essaye. Pouvoir jouer, tac tac. Ok. Alors là, je vois un 2. On peut aller jeter un coup d'œil. Des pièces, j'en ai 22. Est-ce que je peux acheter un truc du pays? Un souvenir, quelque chose? Ou est-ce que c'est trop cher? Je peux acheter ça. Ou alors je peux économiser pour la belle pyramide inversée. Ça, ça se voit en extérieur, c'est cool. Mais ça, c'est une pyramide inversée, les amis. Honnêtement, si je pouvais l'avoir chez moi, je prends ça direct. On va peut-être attendre un peu. Si j'ai 3 pièces de plus, on se prend la pyramide pour l'intérieur. Je sais que ça se voit pas sur le vaisseau, mais je suis un collectionneur. Donc je dis pas non. Mais il faudra trouver d'autres pièces pour ça. Si on a la chance. Ah, là il y a un truc. Peut-être même qu'il y a des pièces violettes là-dedans, qui sait? En tout cas, il y aura une lune, c'est sûr. Waouh! ah ouais, t'es qui est bleu. Alors, on met des lunettes. Ok. Il y a une clé là. What? Je suis Keblo, les amis. Maintenant, tu es Keblo. Sauf qu'il y avait un truc derrière. Peut-être pas. ouais. On est un peu lent par contre. On va prendre son temps et arriver jusque là-bas. Sinon, on peut essayer de... Ouais, on peut essayer. On peut essayer de tomber... Youp. Est-ce qu'il y a un levier activé? Vas-y, je tombe. Oh, ça marche! Prends ta clé. Ouais. Et maintenant, comment je remonte? Parce que là, je peux pas... Oh! Mais l'ascenseur, c'est trop bien! Fallait juste avoir l'œil, en fait, les amis. Attends. Parfait.
Alors, lune bonus trouvée. Magnifico. Maintenant, il faut trouver ça. What? What? Ok. Ce truc me fait flipper. Ouah, j'ai chaud. On a failli tomber, les amis. C'est cool, mais... Non. Ok, il y a quelque chose. Ou alors... Ouais, bah je comprends que t'aies peur, là. Je remets les lunettes, donc là on est super lent. Ou alors j'y vais en aveugle. On peut tester, hein, pour le fun. Mais j'ai envie d'explorer avant. Ah, d'explorer. De voir le chemin. C'est possible. Prends ton temps, humine, tout ça. Vas-y, on va faire comme ça. On essaye. What? C'est une drôle de strat. Je vois rien. Mais on a confiance. On essaye. Par contre, sur la fin... Là, il y a un mur. Waouh! Ah bon, avant que j'ai sauté, ce truc allait disparaître. Et ça donne le vertige, mon arrêt, les amis. C'est stratégie du rail à l'aveugle. Oh yes! Bah les amis, on va se laisser sur ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures bonus sur Super Mario Odyssey. À bientôt les amis, à plus, ciao, bye bye, ciao ciao.